Non. C'est maintenant là, je crois, c'est tout de suite. Tu veux des trucs? Ouais, vas-y. Action. C'est maintenant là, je crois, c'est tout de suite. Quelque chose, sors quelque chose. J'ai les derniers rushs. Putain, crois-moi qu'avec ça... Putain, mais les jurys peuvent déjà me prendre en tête d'affiche de ce putain de festival. Patricia ne le prend pas mal, mais... Je crois qu'il manque quelque chose à ton film. Oui, je sais, les derniers rushs. Mais je les ai avec moi. Donc plus de problème. De toute façon, il n'y en avait pas à la base. J'ai fumé. Tu sais, pour que ton film soit encore meilleur, je pense qu'on pourrait peut-être rajouter quelques plans. Mais il est déjà très bien mon film. J'ai rien à rajouter. D'autant plus que je suis une vraie artiste. Et que les vrais artistes ne prennent pas les idées des autres. Et si c'est pour faire plaisir à ton ami, tu voulais que je t'aide, je suis là pour ça. Bon bah ils ont intérêt à être bien. Et être sans acteur aussi, parce qu'ils veulent plus jouer avec moi. Ils ont dit que j'étais une mauvaise réalisatrice et que... C'est pas étonnant. Et que j'ai dit que j'ai... Bon, sur un malentendu, ça peut passer. Eh putain, t'as fait un film mieux que le mien. Et t'as même pas tourné ou quoi que ce soit. C'est incroyable. Ça sert à ça le montage. Alors, tu as reçu les résultats? Ils ont pas retenu le film. Quoi? Mais pourquoi?
Bah, ils ont dit que le film était original, mais que la forme était bien, mais qu'il n'y avait aucune attention, aucun fond. C'est vrai que dans un film, il n'y a pas que le tournage et le montage qui comptent. Il y a aussi le scénario. Mais c'est quoi un scénario? Tu te fous de moi? T'es sérieuse, là? Non, mais j'en peux plus! C'est bon, là! Des artistes comme ça, j'en veux pas! Toujours plus, hein! Mais elle abuse!